Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou. Aujourd'hui, nous allons jouer à Dragon Quest Builder 2. Je vais vous faire visiter mon joli monde de Wouhou coquin. J'avais fait une première vidéo, mais en fait, ça s'est foiré parce que le son était trop fort. Youpi! Donc du coup, maintenant, le son est correct. Ça devrait être correct, tout simplement. C'est le principe du son correct. Voilà. Vous avez appris quelque chose. Non, mais plus sérieusement, plus sérieusement, ouais, j'avais foiré mon enregistrement au début parce que, en fait, si vous voulez, le son était trop fort. Si j'ai bien vérifié que c'est pas de retour le cas, ça m'a traumatisé apparemment. Donc voilà, regardez maintenant, le son est comme ça. Au début, ça c'était là, et ça aussi, c'était comme ça. Là, vous m'entendez bien, un peu moins bien. Voilà. Là, c'est bien. Donc voilà, comme ça, vous savez pourquoi je recommence tout. Parce qu'on m'entendait pas correctement, c'était trop juste. Maintenant, on m'entendra correctement. C'est ça le problème, on oublie souvent que bah, il faut peut-être un peu modifier le son. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ne servait à rien. Génial. Donc ça, j'ai pas envie de vous montrer. Hein. C'est simplement des trucs, des canons à feu d'artifice, tout simplement, hein, si vous ne connaissez pas, voilà, ça sert à ça. Ça sert à tout simplement à poster, à lancer des feux d'artifice. Je peux vous en montrer éventuellement un quand même, parce que c'est la moindre des choses, c'est bien de montrer un peu tout ce qu'il y a. Alors voilà ce qu'il y a. Donc, hop. Et à chaque fois il veut me mettre tout le truc, mais non, un seul ne suffit pas. Allez, deux parce que c'est toi. Bon, bref, voilà. Ce qui est simple, c'est que voilà, vous faites ça, hop. Vous lancez les trucs. Voilà. Voilà, ça sert à ça. C'est pas grand chose, mais voilà. On va aller voir la maison de maman, donc de ma mère, hein. Et après je vous montrerai le reste, parce qu'en fait j'avais fait pas mal de trucs sur la vidéo, mais bon, vu que le son était trop faible par rapport au reste, ben je dois tout recommencer. Et c'est un peu ça en fait dans ma tête, je suis un peu en mode comme ça. Je me dis fais chier, j'ai fait toute une vidéo qui dure peut-être 30-40 minutes, mais non, je dois tout recommencer. Au pire, ça me permettra d'un peu de lancer les choses. Vous voyez la technique que je fais, c'est pour pouvoir monter, c'est grâce à lui que je peux monter en haut. Sinon je vais dans le cucu. Voilà. Hop, je peux monter ici. Donc... Et du coup, je vais mettre comme ça. Hop. Alors, avant tout, je vais vous montrer un bug marrant qu'un personnage a. Voilà, en fait, lui, il est complètement planté. Regardez ce magnifique animation de je m'assois et allez bug. Allez, vidéo. Voilà, on va attendre là. Hop, vous avez vu, c'est un woo bug. Un woo bug. Bug. Allez, recommence. Si, si. Allez. Gardez bien. Au moment. Hop. Il a vendu une crème. Alors, s'il vous plaît, Square Enix, réglez ce bug. C'est un peu triste quand même de battre comme je veux. Je veux dire. Donc plus sérieusement, le jeu est génial, hein. Il n'est pas non plus ultra fluide, c'est la mort, il y a des optimisations à faire, mais
c'est quand même mon plus de MDR, XPTDR ou MDR, de faire que les bons soient plantés. C'est très très raciste. Non, rien à voir. Non mais c'est juste que c'est dommage que le Wii a un peu d'animation, c'est pas très beau. Ouais. Donc je sais pas qui a fait cette animation, mais c'est un petit peu foiré au niveau des placements des trucs. Après c'est comique, ça fait comme s'il était planté comme nous. C'est un Wii plantard. Il manque un joli croco. Oh, un joli croco. Alors, voici à quoi ressemble ma maison. Enfin, je vois ma maison, c'est la maison de ma mère. Donc, on a le derrière. Là, on a les cuvettes et là, on a le derrière. J'ai un peu la peine de tomber en haut. Voilà à quoi ressemble le reste. Je le fais très rapidement parce que j'avais déjà montré la chambre de ma mère, de ma soeur, pardon. Ma chambre. Il y a un mec qui squatte. La salle de bain, les toilettes et la chambre de ma maman. Voilà. C'est en fait, en bref, j'ai fait cette maison pour remémorer les souvenirs avec ma maman. Bien sûr, les proportions sont très mauvaises. Donc c'est pas du tout ces proportions là, hein. C'est logique, ça ressemble pas à ça en général, tout simplement, hein. Parce que je ne suis pas architecte, donc du coup ça se voit. Alors j'ai toujours ce cocobico qui apparaît en même temps que moi et j'ai jamais compris pourquoi. C'est un cocobico. Il faut faire disparaître mon masque. Je sais plus comment on l'a fait disparaître, j'ai oublié. Parce que j'ai plus joué au jeu plus longtemps. Donc pour pas me casser la tête, je fais comme si j'allais caresser le loup et du coup ça disparaît. Maintenant on va aller visiter les zones que je voudrais plutôt vous montrer plus, c'est là. Donc, on se suicide. Là. Ça fait très très mal. Voilà ma villa. C'est ma villa. Donc j'entends que la musique est quand même présente bien sûr, mais normalement ça devrait être beaucoup mieux. On devrait m'entendre vraiment mieux que le son. Disons que moi j'ai l'air à mettre tout à fond quand je joue, mais vu que ce jeu, maintenant dorénavant, je vais plus vraiment jouer en tout cas pour ce jeu là j'ai prévu de plus du tout alors j'aimerais savoir comment on prend le calme. Je vous montre l'intérieur. Vous avez vu, c'est beau. Hein. Oui, après, au niveau proportion, il y a à parler. Hein, c'est pas ouf. Je veux dire, dans le sens que c'est pas réaliste. Ça, je sais bien, mais bon, c'est comme ça, on peut rien faire. C'est ma façon de faire. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Hein. C'est vraiment très bien géré. Vous pouvez même, pour ceux qui ont le jeu, récupérer ces trucs là, voilà, et il n'y a pas de problème, ça va pas créer de bug dans le jeu. C'est la fin du jeu à ce moment là, bah, vous n'avez pas de soucis. De saucisses grillées, saucisses grillées pour toutes, voilà. Les saucisses grillées, saucisses grillées. Vous avez un joli magnifique artwork du jeu avec un personnage pas ouf et Krina à côté. Voilà, vous avez à quoi vous en prie. Donc ça c'est ma première maison. Du coup, comme d'hab, il y a des soucis de proportion, je sais. Là-haut, vous voyez tout simplement la maison de ma mère. Donc c'est encore à la seconde taille, à la 6 seconde taille. Là, vous avez un dieu bizarre.
Voilà. Vous avez des trucs gluants ici. C'est rigolo. Oui, ça fait penser peut-être à des sexuels, peut-être. Ce n'est pas l'esprit de manger. C'est vrai que des pervers pourraient penser à ça. Voilà mon petit jardin sympathique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de monter sur les animaux. Hop. Regardez par exemple, j'ai celui-là. Je peux lui monter dessus. Quand je dis monter dessus, c'est ça, hein, le petit coquillon, pas autre chose. Je sais que vous pensez souvent aux choses de vos coquins. Oula. Je suis trop près de jolis petits coups. Donc voilà, vous voyez qu'on peut tout simplement interner l'animal comme ça. Et aussi on peut aller sur un sculpte. Regardez comme il est, il faut plus. Fabuleux. Regardons-nous ensemble. Regardons-nous se promener, ce joli sleu. Regarde comme on le connaît. Le trouver. Ah bah vous allez le tuer, parce que c'est votre. Voilà. Ouais, trop bien. Peut-être que voilà, voilà, et comme vous voyez, c'est trop stylé. Alors, j'ai aussi une salle bizarre, je bordel. Pas possible, je vais vous montrer. C'est celle-ci, voilà. C'est une salle où j'ai carrément... C'est carrément un débarras, quoi, en vrai. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est magnifique. Hein. Ça sert à rien. Il y a vraiment de tout. Hein. Des canons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des coffres, comme vous voyez. Il y a vraiment tout. C'est tout un bordel. C'est dingue. On doit se dire pourquoi le mec il a autant de trucs. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Mais voilà. C'est... Et hop là. Et c'est bien parce qu'avec ce slime, vous pouvez sauter de très très haut, vous n'aurez pas de dégâts. Donc c'est parce qu'il est moelleux. Alors maintenant, je vais vous montrer avant de terminer. Enfin non, on va terminer un peu plus tard, mais... je vais essayer d'aller plus vite par rapport à l'autre vidéo où j'ai fait quand même 30-35 minutes, je pense. Elle faisait 4,9 Go la taille, donc c'est énorme. Donc voilà, ici, je vais descendre de mon slime et je vais vous montrer l'intérieur des maisons. Donc voilà, l'intérieur de la maison, de la jolie maison de PDO. Voici le centre. Voici des slimes. Ça sert à rien, mais les gens sont contents. Voici un endroit qu'on change dans le coup. Voici un coffre qui était ouvert et qui n'était pas censé être ouvert. Voici un autre coffre qui est dans un... Non, je vois les couilles. Un autre coffre qui peut servir aussi. C'est sympa parce que j'aime bien ce coffre parce qu'il est en forme de coffre de cadeau et ça c'est très joli. Voici les chiottes. Vous pouvez récupérer le caca. Le caca, c'est bien. Voilà, rien que pour ça, ce jeu est tellement achetable. Il faut l'acheter rien que pour le caca. Alors voilà, ici vous avez tout simplement... Ben ça, je l'ai refait moi-même en fait. C'est une sorte de zone où vous pouvez vous détendre dans l'eau. Voilà. C'est un truc de... Vous vous détendez. Putain. Vous vous détendez tout simplement. Mais je sais pas pourquoi, j'ai dormi, hein, je suis pas fatigué, mais je sais pas, mon cerveau veut toujours bailler, mon cerveau est endommagé, je suis endommagé de notre. Voici ma récolte. Après, je m'en bats un peu les ouf la quête, hein, c'est les personnages qui font eux-mêmes leur récolte.
Là, on a la... Ouais, c'est bon. On a la zone où on mange, où on fait de la cuisine. Tout le monde est dedans. Alors, l'autre endroit, c'est ici. Là, vous avez le Lombax. C'est un nouveau Lombax. Là, vous avez tout simplement une sorte de machin. Voilà. Comme vous voyez, c'est assez spécial hein, ce que je fais. C'est pas ouf non plus, mais c'est marrant. Et enfin, pour terminer, un truc qui va beaucoup m'intéresser, le panneau pour voyager dans les mondes. Oui, mesdames, messieurs, il est là. Il est là pour vous. Ouais. Non, sérieusement, ce panneau-là, je l'adore parce que ça permet de aller sur le web et d'aller, si j'ai toujours internet, enfin je veux dire dans le sens, est-ce que j'ai toujours mon abonnement activé, normalement oui, mais ça permet d'aller visiter des mondes et ça c'est vraiment génial. Bon, par défaut ça te mène la merde, faut juste aller au-dessus et faire meilleure île du jour ou un truc comme ça, je sais pas. Voilà, normalement ici vous devrez déjà avoir des trucs beaucoup plus quali, faut attendre un peu ça. Voilà, là ça commence à bien bader sa mère, le fer. Par exemple, ça c'est beau. C'est tout. Beaucoup de choses. Celle-là est très jolie. Aussi. Et on peut aller la visiter si on veut. On fait visiter. Il est temps de rejoindre l'Iduko. Hop, vous faites oui, ça sauvegarde. Et là, on va aller à la visiter. Pardon pour le coup. On va aller la visiter rapidement pour le lol. Voilà, ce qui se passe, c'est que ça fait ça du coup. Et après, on se quittera. Je vais légèrement terminer. Allez, hop. Sympa. Ça va, on voit le nombre de likes et tout ça. On voit quand même que la communauté est là. Il y a pas mal de gens. C'est sympa. C'est cool. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Bon, voilà, le problème avec ces genres de maps, je sais pas bouger, voilà, il y a déjà un bon... Ah non, c'est qu'il y a des risques que ça rame un peu. Voilà. Ça va peut-être l'aguiller un peu, ça va pas être très fluide. Mais ça, c'est le jeu qui n'arrive pas à gérer pas actuellement. Tout. Mais voilà, c'est... ça va, c'est pas la mort du tout, mais voilà. Donc, vous avez vraiment... Voilà. C'est magnifique. Wow. Regardez-moi ça quoi. C'est trop beau. Vous voyez là il y a un problème. Hein. Je vais faire ça. Voilà, c'est une sorte d'entrée d'accord. Tenez les petits personnages, ils sont comiques. Là c'est très joli. Ah que c'est beau. Ah c'est magnifique. Bouta. C'est moi qui fais le changement de caméra. Ça se fait pas automatiquement. Alors voilà, regardez, par exemple, il s'est amusé à mettre c'est un panneau, ça, de base. Quand on fait lire, voilà, il a rien mis parce que son but, en fait, c'est qu'il va l'utiliser, ce panneau, pour faire croire comme ça, on a l'impression que c'est une souris, vous voyez, qui vous accueille. Parce qu'en effet, une souris comme ça, on sait pas vraiment la récupérer, ou on peut la récupérer, mais voilà, c'est compliqué. Ah ça, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, donc c'est pas trop improbable, il est comique. Voilà. Ah oui. Ça vous donne un peu un aperçu à quoi peut ressembler le jeu. Et sincèrement, faut l'avouer, ça envoie du lourd. Quand vous avez de l'idée, regardez-moi ça quoi.
quand vous avez vraiment des idées et tout ça, ça peut vraiment aller loin. C'est vraiment magnifique. Ça donne envie de celui-là, je l'adore. Il est vraiment très beau. On peut rentrer? Non. Et vous n'allez pas dire qu'il y a tellement de choses à faire. On va rentrer. Hop. On rentre dedans, visite. Voilà. Hop, on est bien. Ça m'énerve un peu qu'il fasse mieux. Hein. C'est de voir ce. Oh putain, il est là, il est tout le temps. Et pourtant, je suis pas crevé. Hein. Maintenant, c'est une question de retrouver un endroit où on peut dormir. On va dans les champs. Normalement, je pense que dormir, on peut. Voilà. Et parce que je rappelle, en fait, le principe ici, c'est que vous avez téléchargé la map. Donc, comme vous avez téléchargé la map, du coup, c'est entre guillemets, c'est en hors ligne chez vous. Donc ça, tout ça, vous visitez ça en hors ligne à peu près, ou presque, c'est à peu près que ça. Donc vous pouvez avancer le temps et tout ça, vous pouvez casser des trucs. Ça ne changera rien, parce que regardez, je peux très bien casser ça. Vous voyez ? Mais je l'aurai pas de par la suite. Mais je sais pas, moi par exemple, je vais vous montrer, c'est pour vous démontrer, c'est pas pour être une marionnette, hein, mais c'est pour vous montrer là, tout simplement. On va casser un truc qui sert à rien, qui est inutile, qu'on s'en bat un peu les genoux, la quête. Et du coup, vous allez voir, vous devrez noter, vous avez vu, j'ai que un truc de bonbons là. J'ai que ça et ça. S'il y a un truc là, c'est le truc là qu'on va noter, que j'aurais cassé. On va faire ça. Et je vais vous montrer, en fait. Vous allez comprendre comment fonctionne le jeu. Bien sûr, je fais pas ça pour foutre la merde. C'est parce que je connais le jeu. Voilà, imaginez, voilà, ça par exemple, je veux le cliquer. Je fais ça, voilà. Il est rentré dans mon truc. Du coup, ça casse un peu le délire parce que du coup, je voulais pas qu'il rentre dans mon voisin. On va en casser un peu. Mais vous inquiétez pas, en général, c'est une copie en fait du monde. Donc, ce que vous cassez là, vous ne le récupérerez pas quand vous rentrez dans le jeu. C'est pour ça que j'ai envie de casser un truc pour vous montrer en fait que ça risque rien. Si vous vous amusez à casser tout en allant dans les villes et tout ça, ça sert à rien, c'est des villes, il faut pas faire ça, c'est pas très sympa. Mais si au cas où vous avez peur, je sais pas, vous avez peur que du coup ça enregistre peut-être éventuellement des trucs et tout ça, ben je vous montre que non. Normalement non en tout cas. Ce serait bizarre. Voilà, celui-là normalement je l'ai pas. Ben, je l'ai aussi. Bordel de merde, il y a bien un truc que j'ai pas, merde quoi. Attends, on va trouver quelque chose qu'on peut casser que j'ai pas. C'est trop de bazar en fait. On va trouver. Bon, ça on est d'accord que on va trouver. Là, parce qu'à ce moment-là, ce serait trop simple de. Bon, allez. Voilà! C'est bon, on en a un. Voilà, vous retenez que j'ai récupéré ça. Donc voilà, c'est. Je peux même faire éventuellement récupérer ça. Voilà, on a deux choses. Bien sûr, comme je vous ai dit, là c'est pour vous démontrer. Donc voilà, vous retenez que ces deux trucs-là, je les ai volés. C'est pour montrer, hein. C'est pas pour voler, parce que je sais pas si on peut pas voler, mais c'est pour vous montrer. Pour vous rassurer en fait, pour ceux qui ont le jeu et qui ont peut-être peur qu'on aille visiter leur monde et qui savent pas comment ça fonctionne. C'est fort possible que des gens ne comprennent pas le fonctionnement du jeu. En fait, c'est juste une sauvegarde que vous avez, donc vous ne pouvez pas récupérer les objets. Parce qu'à ce moment-là, ce serait trop cheaté. Ça veut dire que vous choisissez un monde, un ronron. Mais là, on voit pas que tu caresses le ronron. Voilà, voilà. Vous voyez ça par exemple, je peux le récupérer comme ça et dire ah oh, je suis un connard, je récupère tout.
ça aussi, pour ça aussi, pour ça aussi, on s'amuse un peu là. Voilà, je voulais dire que je récupère tout ça. C'est vraiment pour vous montrer. Oui, en même temps parce que j'ai des tocs aussi. Bon, on arrête de piquer des choses parce que ça sert à rien. Je vois ce coup de fil, ça ne marche pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, normalement c'est censé pas fonctionner parce que si ça fonctionne, c'est cheaté. C'est vraiment cheaté parce qu'en fait ça veut dire que tu peux aller récupérer des objets qui se... Mais à ce moment là ça veut dire que ça se duplique. Je vous rassure quand même. Ça veut dire que le jeu duplique les objets. Mais normalement c'est impossible. Et puis ça m'intrigue quand même malgré tout aussi. Donc j'ai envie de vérifier. Mais sinon à part ça vous voyez j'ai pas fait trop de dégâts dans le jeu. Mais je vous déconseille de faire ce que je fais hein. Si au cas où je vais le croire ben, ça se peut ça va rester. Et j'aurai tout cassé. Mais c'est pas grave, de toute façon je reviendrai plus dans ce monde et enfin c'est pas ça mais c'est juste je pense que moi certainement je pense que c'est pas fait, on peut pas casser. C'est impossible. C'est pas possible de pouvoir casser nous. Mais en effet je vous interdis de faire ça, c'est pas très gentil. Déjà. Ici c'est pour vous montrer, c'est pas la même chose. Moi après j'ai des tocs donc du coup j'ai fait plusieurs fois mais. Ça reste quand même d'une démonstration simple. Je veux juste vous montrer qu'on peut pas. C'est juste des copies en fait. Et vous pouvez rien faire. On va retourner dans notre maison et vous allez voir que tous ces objets-là vont disparaître tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est juste des copies temporaires que vous récupérez. Vous ne pouvez pas les récupérer en retournant chez vous tout simplement. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Le fait aussi déjà parce que tous les personnages que vous avez, vous pouvez les monter et tout ça, alors que c'est pas à vous. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui jouent. Donc voilà, c'est bien pour vous dire que vous pouvez pas voler ici. Vous inquiétez pas. Comme ça, si au cas où les gens doutaient de ça, non, vous pouvez très bien mettre vos trucs en ligne. Si vous avez jamais eu le jeu et que vous hésitez, ben voilà, je vous montre la vérité. Il n'y a pas de problème, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. On pourrait penser que par la suite que je m'amuserai à casser des trucs par la suite, mais non, je ne ferai jamais ça, moi je suis quelqu'un de correct. C'est juste ici parce que je sais déjà ce que j'ai fait. Je l'ai déjà fait et je sais que ça marche pas, on ne peut pas récupérer les objets. Donc voilà, on a pas mal visité le monde. Comme vous voyez, il est magnifique, hein, c'est un monde très beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. On va terminer la visite dans cette zone là et on va rentrer. Regardez, et je tiens un personnage en plus. Donc voilà. Alors là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Regardez quand on pose ces trucs là en fait. Voilà. Donc voilà, vous retenez que ces objets là, je les garde pour vous montrer qu'ils vont disparaître. Donc on fait tam et on fait rentrer. On fait oui. Et regardez ce qui va se passer. Ça dit sauvegarde, mais je vous rassure, le monde n'est pas détruit. Il n'y a rien qui a été détruit. Et tous les objets qu'on aura piqués vont disparaître. Parce que tout simplement, ben, si c'était le cas, à ce moment-là, on pourrait tout récupérer. Et c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Et si c'est. Il me semble qu'en tout cas, que c'est pas possible. Et si c'est possible, c'est pas normal. À ce moment-là, on va retourner dans le monde. Pour être sûr, mais normalement c'est qu'une copie qu'on sauvegarde et c'est pas le réel monde quoi. Voilà, regardez, hop, vous avez vu? Voilà, vous voyez, ça a disparu. Pourquoi? Parce que c'est qu'une copie. On peut mal du coup retourner pour montrer si c'est bien ce qu'on pense et après on va se quitter. Voilà, on va aller dans une meilleure île, etc. Hein, enfin. On va retourner dans le monde et vous allez voir que il n'y a pas de problème, ça ne change rien, le monde est toujours comme il est, tout ce que j'ai cassé est de retour en place, il n'y a aucun souci, rien n'est endommagé. Comme j'ai l'expliqué, c'est pour vous expliquer comment fonctionne le jeu. Comme ça, si certains, c'est fort probable, si certains hésitent à poster
leur œuvre en ligne en se disant ouais mais ils vont casser tout, j'ai peur, est-ce que ça va se sauvegarder et je sais pas, ça peut être possible qu'il y ait des gens qui se posent la question. Et ben voilà ma réponse, il faut un peu attendre. C'est ça en fait ma réponse, c'est que non, on ne peut pas vous casser vos affaires. Regardez la preuve. Voilà, regardez le slime que j'ai cassé, ou les objets que j'ai cassés sont de retour là. Tout est de retour là. Il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas endommager les objets. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Après, je pense pas que c'est ici que j'avais cassé les trucs. Bon, on va chercher où on était à ce moment-là. Mais je sais pas si c'est là. Donc, comme j'ai expliqué. Comme vous voyez, on est quand même sur, on est sûrement à 20 FPS. Hein, là, c'est pas très beau. C'est pas très fluide. C'est pas ouf quoi, c'est pas très bien optimisé, c'est là qu'on comprend que le jeu, voilà, c'est jouable quand même, c'est quand même regardable. Mais c'est là qu'on voit que c'est, voilà, il y a des chutes de framerate quoi. C'est pas, le jeu devrait être mieux optimisé que ça. Ils ont un peu de mal avec eux. Ah, c'est par là, ben non, il me semble qu'il y a que là en fait que... Donc ouais, il y avait que là, regardez là-bas, il n'y a rien. Donc vous avez vu, en bref, on ne peut pas vous casser votre monde. Il n'y a pas moyen, on peut rien faire. Comme ça, vous savez que si au cas où vous hésitez à mettre en ligne votre monde parce que vous avez tout simplement peur qu'on vous casse vos affaires dans le jeu et que vous ne savez pas trop si ça... Comme vous voyez les gens quand ils quittent, ça se marque sauvegarde et que vous dites ouais, attends, sauvegarde, ça sauvegarde quoi là du coup? Attends, je comprends pas. C'est quoi le but de la sauvegarde? Ça sauvegarde du coup ce qu'il a cassé? Je comprends pas. Vous voyez, si vous avez des doutes à ce niveau-là, ben en fait, non, ça sauvegarde l'état de quelque chose d'autre, en fait. Mais ça ne sauvegarde aucunement le fait que la personne a cassé ou a endommagé un truc, tout simplement. Comme ça, vous êtes rassuré et c'est une bonne chose de vous rassurer à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est très intelligent de ma part de faire ça. Il fait de retour nuit, ça me fait chier. Voilà. Ici, on essaie de chercher l'endroit où j'ai cassé le truc. Mais normalement, vous avez compris. Y a pas... Voilà, ben, par exemple, là, j'avais posé des bazars. Au pire, c'est suffisant. Regardez, il n'y a plus rien. Voilà, vous voyez. Là, j'avais posé des trucs. Les pancartes. Ben, ils sont plus là. Pourquoi? Parce que, ben, justement, parce que tout est réinitialisé. C'est pour ça, voilà. Comme ça, vous êtes rassuré. Si au cas où vous avez des... Merde, je vais tomber. Si au cas où vous avez des doutes, et que vous vous dites... Ouais... Je voudrais peut-être éventuellement aussi partager mon monde. Mais je sais pas trop si ça sauvegarde les endommagements. En fait, ça fonctionne comme Animal Crossing New Leaf, en fait. Voilà, c'est pareil. Quand vous exportez et vous envoyez à téléchargement, la personne ne récupère qu'une sauvegarde. Elle ne récupère pas du tout... Elle ne se connecte pas sur votre serveur, surtout que ça se peut vous êtes origine. C'est une copie que ça envoie de votre monde. Elle ne récupère pas le serveur en lui-même. Enfin, je sais pas, votre serveur à vous, et du coup, elle se connecte pas pendant que vous n'êtes pas là, connectée dans le jeu, même pas dans le jeu du coup. Elle va pas dans votre jeu, et du coup, elle s'amuse à faire « Ah, j'ai cassé ça pour vous faire chier !» Et du coup, dès que vous vous connectez sur votre sauvegarde, vous dites « Tiens, what the fuck ? Attends, il y a un truc. » Déjà, il devrait du coup avoir une vérification en ligne, ce serait tout un bordel. Et du coup, il dit, oh putain, mais attends, il y a quelqu'un qui a cassé mes affaires là. Non. Enfin, vous voyez, ou alors, tout simplement, si vous allez dans le truc que vous avez envoyé en ligne là, vous voyez, vous dites, attends, non, sérieux. Donc, votre commande à vous n'a rien dans le local, mais quand vous allez voir le truc en ligne, qui est pour que les gens peuvent télécharger la copie, imaginez que ce serait le bordel de que du coup, les gens peuvent casser tout. Du coup, ce qui se passerait, c'est que les gens verraient ça, ils diraient, non, attends, quoi? Ils ont cassé ça, ils ont cassé ça. Attends, le jeu sauvegarde vraiment les endommagements. Attends, mais ma ville est complètement détruite, je dois la re-uploader et tout ça. Attends, mais ça fait chier, là. Non, mais sérieux, ils ont vraiment fait les développeurs ont vraiment fait qu'on peut casser tout. Attends, mais c'est débile.
Ah, le Nadec, ils se sont amusés à construire des trucs carrément, n'importe quoi. Carrément des buts et tout ça. Enfin, ils imaginent une machine de délire complètement what the fuck. Voilà, c'est pour faire comprendre que non. Allez, petit slur. Non, on peut pas casser votre monde. Hein. C'est pas faisable, ça. C'est pas faisable du tout. Là, pour terminer, on va aller vite visiter une zone que je voudrais vous montrer. Si j'arrive à y arriver. C'est mon slop. Mon petit personnage veut bien faire tourner photo. On va essayer de monter. Donc voilà, c'est un jeu qui est plaisant à jouer. J'aimerais bien jouer avec des gens. Si vous avez le jeu, n'existez pas, surtout dégagez du monde, n'existez pas, disparaissez. C'est parce que je fais une photo, du coup je joue sur vous et tout. N'hésitez pas à me contacter sur les commentaires et me dire moi je voudrais qu'on joue ensemble. Et je suis sur Nintendo Switch, hein, la preuve. Voilà. N'hésitez pas du coup à me contacter, à m'ajouter. Donc m'ajouter, c'est ça. Voilà. Prenez un screenshot maintenant. Ou faisait stop pendant la vidéo, stop. Voilà, et vous récupérez, vous m'envoyez une invitation, mais surtout avant vous me prévenez en me disant ah oui, ça m'intéresse de faire des vidéos avec toi, j'ai bien plus de 15 ans, si t'es, parce que je suis pas un gosse de 10 ans, donc ça va non à ce moment-là. Il faut au moins avoir minimum 18 ans pour jouer avec moi, ou 17 ans vraiment au pire, mais entre 17 et 18 ans, parce que je vais pas prendre des gamins. Parce que, en fait, tant que vous avez surtout une voix grave, ça va encore. Parce qu'en fait, je veux pas qu'on sache que vous êtes un gosse, en fait. Parce que ça me gêne. Parce que j'aime pas les voix de gosse, en fait. C'est un peu ça aussi. Parce que ça fait un peu gamin. Enfin, j'aime bien les voix qui ont mué, donc c'est mieux. C'est plus pro. Ça fait moins pédophile aussi. Oh, pardon. Enfin, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un mec qui traîne avec des gosses. Donc, c'est surtout ça, je préfère avoir des gens de 18, 25 ans. Je sais que c'est un peu froid ce que j'ai dit là, mais. Je sais pas, ça me gêne. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de prendre des gosses comme compagnie, mais moi j'ai un peu peur du jugement après. Je suis pas un prédateur, hein, hein. Je suis quelqu'un de simple. Bon, soit. En bref, je suis contre. Je ne veux. Je te saute dessus. Non, je ne peux pas. Je fous là. Bah. J'ai quitté mon fou. Je vous montrerai d'autres jeux. Vous inquiétez pas. Je vous montrerai d'autres jeux. Bon bah on va se quitter ici. Bah d'ailleurs je ne sais même plus où je suis. Complètement paumé dans le jeu. Je me suis paumé carrément dans mon monde. Ah voilà, on retourne dans la zone où je voulais aller. On va se quitter là-bas. Donc ce que je vous ai montré là, c'est tout simplement la zone de. Je peux faire une petite vue machin. C'est toujours sympa. Oh, attendez. Oui, je me suis fait mal, je viens de laisser. On va aller dormir et puis on va faire, avant de se quitter, on va tout simplement faire une vidéo dessus. Et je sais que je suis bizarre à dire des choses qui n'ont pas de sens, comme avec l'histoire du pédophile. Parce que j'aurais des gosses qui... Enfin, je sais pas, j'ai un blocage à ce niveau-là, j'ai peur qu'on me prenne mal, qu'on me prenne pour un prédateur alors que non. C'est juste que...
Du coup, j'accepte pas les enfants à cause de ça. Je suis désolé pour les jeunes, hein, que ça peut blesser, je sais. Mais c'est pas contre vous, c'est juste qu'à cause des autres personnes, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise image, une traite de « Ah, ils traînent avec des gosses de 10 ans alors qu'il y a 27 ans, parce que j'ai 27 ans, c'est pour ça que j'ai un peu peur de ça. » C'est sincère, là, c'est pour ça que je préfère au moins que vous ayez minimum 18 ans. C'est mieux pour la sécurité de pas avoir des gens qui commencent à me traiter de pédophile, comme on dit. Je vais dire pédophile, je préfère que pédobire c'est mieux, c'est plus marrant, pédobire c'est plus drôle. Donc voilà, comme ça vous savez que voilà. Je sais que c'est bizarre, mais voilà. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc oui, je peux faire des vidéos avec vous. Oui, on va visiter en effet des mondes. Tout simplement des mondes sympas. Mais voilà, c'est sympa. Ça va être cool, on va s'éclater. Donc je vous dis du coup à bientôt dans de tout. Ah oui, je suis con. Je vous dis que comme quoi on va vite, avant de se quitter, visiter, enfin pas visiter, mais faire une vue aérienne du jeu. Et moi comme une grosse merde, je vous dis au revoir alors que non, on était censé se quitter quoi. Donc on va faire une vue aérienne. Donc il y a bien, en effet, je vais vous montrer rapidement qu'il y a des trucs que j'ai pas montré. Voilà, le machin d'usine qui sert un peu à rien. Voilà, ce truc là. Oui, bon, je ne l'ai pas montré. Voilà, bah, voilà, je vous montre rapidement. Voilà ce que c'est. C'est une sorte de bazar qui ressemble à une sorte de truc d'entreprise d'usine, machin. Ah, je me suis amusé à commencer à faire ce truc là que je t'ai mis à faire jamais. Et voilà. En soi, il n'y a pas vraiment grand chose. Non, on va monter très très haut. On attend un peu que le 3 prenne un peu d'énergie. On remonte. Bon, on s'en fout de la fin. Voilà, on attend toujours un petit peu. Comme vous voyez, ils ont fait les effets d'atmosphère. Ils ont vraiment fait pas mal de trucs. On voit vraiment pas mal de trucs. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, on se quitte. On se quitte sur ça. Je pense que c'est pas mal. Donc je vous dis à bientôt. C'était Mister Wu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé pour le dérive au niveau des trucs pédobiques et tout ça. J'espère que ça va pas être mal pris sur YouTube. Ben justement, je suis en train de dire que j'ai peur de ça parce que je sais comment l'internet fonctionne et comment on peut vite être pris comme un connard ou quoi, ou un pédobire comme tu dis. Et du coup, j'ai peur de ça et c'est pour ça que je refuse les enfants qui participent à mes vidéos. Mais sinon, bien sûr, les enfants qui veulent s'abonner à ma chaîne, les gosses, vous êtes le bienvenu, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne vous accepterai pas. Ou alors si je dois vous accepter, c'est juste que vous ne pouvez pas passer en vocal quoi. Mais encore c'est à voir. Donc voilà. C'est pour vous protéger vous aussi surtout. Parce que j'ai pas envie qu'on vous fasse du mal. Et c'est pour moi et pour vous, c'est pour les deux. Donc c'est peut-être pas compréhensible pour certains, mais moi je trouve que ça protège non seulement les enfants, mais aussi moi. Donc c'est donnant. Donc veuillez m'excuser pour cet éparpillement bizarre, parce que ça se trouve j'embrassais complètement les couilles, surtout que j'ai aucune vue. Mais voilà, donc je préfère vraiment sincèrement, c'est pas méchant. Comme j'ai dit, les enfants, s'il y a des enfants, des gosses de 8 ans, 10 ans, peu importe l'âge, vous aimez bien mon contenu et tout ça, et vous voulez participer dans les commentaires, mettre des likes, partager les vidéos parce que vous aimez bien ce que je fais, pas de problème, vous êtes le bienvenu bien sûr. Mais vous pouvez vous abonner et tout ça, mais c'est juste que vous ne participerez pas à mes vidéos en ligne, comme ici je peux avoir quelqu'un avec moi, on parle en vocal et tout ça. Ben à ce moment-là, c'est juste que vous pourrez pas quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu, c'était assez long comme ça la vidéo. Et je vous dis juste portez-vous bien et bye bye. Bande de trucs coquinous. Et merci encore. Et il y aura d'autres vidéos du coup pour ce jeu-là, bien sûr. Beaucoup de vidéos qui sont à venir. Je vais faire même des buts d'âge parce que du coup ça me motive énormément.
Ah, la salive, ça fait chier. Donc ça me motive énormément de faire du buddage, de faire des constructions en filmant. Là, ça me motive parce que du coup, je filme ce que je fais. C'est plus amusant que de faire ça tout seul. Ça a plus d'intérêt. Vous avez vu, les personnages en arrière-plan s'amusent à faire des pétards. Ils sont autonomes hein, aussi. C'est des PNJ qui sont assez fortement autonomes. Du coup, voilà. Je vous dis à bientôt. C'était Mister Wu. Et à la prochaine vidéo Dragon Quest. Parce que je pense que la prochaine, on fera du buddage. On continuera la maison et tout ça. N'hésitez pas à me proposer des trucs à créer, des villes, pas des villes, mais des monuments, je sais pas, si vous voulez que je construise un building, un moulin, je sais pas, dites-le dans le commentaire, surtout si ça se trouve sur le nombre de 1, donc voilà, j'espère juste que YouTube va pas bugger dans le sens que j'aurai pas de message, parce que quand je teste avec un... J'ai une fois testé avec un autre compte. C'est un compte que je n'ai plus. Mais à l'époque, il y a un an d'ici, j'ai testé avec un compte que je n'utilise plus depuis longtemps. Il est complètement inactif. Hein. Ça fait... j'ai juste testé une fois. Ben, en fait, je voulais poster un message pour voir si ça fonctionnait. De toute façon, en fait, l'autre compte, c'est simplement Mister Boubou avec l'icône que je mets habituellement. Et j'ai que 4 abonnés, donc comme ça vous savez, c'est Mister Wu tout simplement sans le dessinateur ou illustrateur comme j'ai mis ici. Et du coup, si vous voulez, il y a un problème, c'est qu'on voit pas mon message, j'ai pas d'alerte et tout ça, donc je sais pas, ça ne marche pas. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu et portez-vous bien. Et voilà, à la prochaine vidéo!